Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un appareil un petit peu particulier, mais tant attendu. Il s'agit du Tefal Cake Factory. Donc qu'est-ce que le Tefal Cake Factory? C'est un four conçu pour cuire des gâteaux. Donc il s'agit de ce petit appareil tout de rose et blanc vêtu. Donc un appareil qui est assez compact, dirons-nous, qui trouve sa place facilement sur un plan de travail dans la cuisine et qui devrait plaire notamment aux enfants. Alors, ce four conçu donc pour cuire les gâteaux propose 5 programmes dédiés. Nous les retrouvons sur l'écran situé sur la partie extérieure de l'appareil. Nous avons donc 5 programmes gâteaux à partager, gâteaux individuels, gâteaux fondants, meringue, fonte de chocolat. Et il intègre également un programme manuel qui permet de choisir la température de cuisson, mais également la durée. Donc sachant que la température de cuisson s'étend entre 40 et 240 degrés, ce qui laisse un spectre quand même assez large pour tout type de cuisson. Outre donc justement ces programmes de cuisson, on retrouve donc des touches physiques. Attention, il n'y a rien de tactile, ce que nous avons trouvé d'ailleurs un petit peu dommage de devoir passer par toutes les touches physiques, notamment le plus et le moins, qui permettent à chaque fois de passer par chaque programme pour atteindre celui que l'on choisit, ce qui est, bref, relativement fastidieux. Le Cake Factory est livré avec 3 moules, un moule à partager anti-adhésif et 2 moules en silicone avec donc 6 parts individuelles, cake et muffins. Enfin, du côté des points forts, nous avons trouvé que le Cake Factory était, donc outre son côté un peu ludique, qu'il était très pratique puisqu'il s'agit simplement de faire sa préparation puis de choisir le programme dédié. Pas besoin de regarder la cuisson, il s'en charge tout seul. Le livre de recettes qui est livré donc avec l'appareil nous donne le programme et le temps de cuisson à chaque fois pour chaque cuisson de gâteau, en tout cas chaque préparation de gâteau. Donc pour le point positif. En revanche, nous avons également trouvé de nombreux points négatifs, notamment au niveau sécurité, étant donné qu'il s'agit d'un appareil qui est quand même destiné donc à préparer des gâteaux en famille et donc qui devrait faire le bonheur de nos chères têtes blondes. Il n'y a aucun aspect sécurité, aucun clipsage au niveau de la fermeture du couvercle, ce qui permet à n'importe qui de pouvoir ouvrir le couvercle quand l'appareil est en fonction. Par ailleurs, l'appareil chauffe, enfin lorsqu'il est en cuisson, il chauffe également à l'extérieur, donc il faudra faire très attention à ne pas toucher le couvercle. Nous avons récolté quand même 60 degrés au niveau du couvercle et 100 degrés à l'interstice entre le couvercle et la partie inférieure. Donc bref, faire très attention à ne pas toucher l'appareil quand il est en cuisson. Au-delà de cette partie sécurité, on a également trouvé des failles au niveau des températures de cuisson. Tefal nous avait promis des températures bien définies que nous n'avons pas retrouvées au moment de notre protocole de test. Donc des écarts qui varient entre 4 et parfois plus de 10 degrés, et ce qui va jouer au moment de la préparation, enfin de la cuisson de nos gâteaux. On a eu des mauvaises surprises après des cuissons, notamment des gâteaux à partager, mais également gâteaux individuels. Bref, dans chaque programme, on a eu des gâteaux soit un peu trop cuits, soit pas assez cuits. Donc voilà, un aspect quand même qui est assez négatif au vu de ce que promet en tout cas le Cake Factory. Voilà, donc cet appareil est lancé à 150 €. On va voir comment il s'en sort. Encore une fois, c'est un appareil qui présente bien et qui a une touche un petit peu girly ou en tout cas assez ludique. En revanche, voilà, si on veut une cuisson un peu parfaite, si on est quand même un cuisinier initié, il va peut-être falloir s'en passer et passer tout simplement au four traditionnel qui fait également très bien la tâche.